Qu'on obtient parce qu'on a parlé en langue. Mais les bénédictions communautaires, qu'on obtient parce qu'on a fait un effort dans la communauté. Ne vous trompez pas, il y a deux livres dans la Bible. Le livre de vie et le livre de survie. Amen. Le livre de vie, c'est là où tous on a cru, on est rentré. Mais dans le livre de souvenirs, tout le monde est pas là. Un homme va recevoir le Saint-Esprit à cause de ses hormones. On fait des péchés pierres. Va chez Corneille. Ces hormones sont montées jusqu'à moi. Peut-être que vous pensez que vos efforts, en fait, personne ne voit ça. Le pasteur peut ne pas voir vos efforts, mais Dieu voit vos efforts. Amen. Amen. Dieu vous appelle. Dans le livre de Matthieu, on dit qu'il y a beaucoup. La moisson est grande. Mais il y a peu de prier. Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans ma moisson. Dans sa moisson, premièrement, la vision n'est pas une affaire du pasteur, c'est une affaire du Seigneur. Amen. Je veux que vous enlevez ça dans votre esprit. C'est une affaire du Seigneur. Lorsque je travaille dans la vision du Seigneur. Amen. Nous serons récompensés. Pas de la manière que nous aurons travaillé à la fonction publique. Nous serons récompensés de la manière que nous aurons œuvré dans le champ du Seigneur. Qui est déjà allé chez les Chinois? Dans les champs des Chinois. Il a raison. Moi, j'ai fait un tour. Les gars ne se reposent pas. C'est des machines. Vous prenez 30 minutes de repos. Quand le Chinois t'électrique, il va dire à tes parents de te préparer déjà. Ils vont t'exploiter jusqu'à l'os. La particularité des ouvriers, c'est qu'ils travaillent. Mais quels sont ces ouvriers qu'on a dans la moisson? Ils prennent des repos, ils prennent des congés spirituels, ils prennent des retraites spirituelles. Il n'y a pas ça dans la moisson. Servir à côté d'un collaborateur d'un homme de Dieu, c'est un privilège. Parce que cela va permettre à ce que vous soyez récompensés dans le ciel. Amen. La Bible déclare que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui allait au voyage. Quand il est revenu, il a demandé l'église. L'église devient le canal que Dieu utilise pour que tu serves et qu'il te recommence. Amen. Premièrement, être compagnon d'eux est une grâce et non un privilège. Être compagnon d'eux signifie de travailler dans la moisson du Seigneur et non celle du leader. Tu ne fais pas ça pour un homme. Tu fais ça pour Dieu. Amen. Amen. Deux, vous faites voyager dans un monde de relations et de connexions spirituelles. On va lire ensemble le psaume 68, 6 à 7. Rapidement, psaume 68, 6 à 7. Tu peux mener dans la lecture. Psaume 68, 6 à 7. Psaume 68. Oui. Le père des deux. Viens, parle-toi, maman. Le père des orphelins. Dieu est le père des. Vas-y. Le défenseur des deux. Oui. Le Dieu dans sa demeure sainte. Mmh. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Oui. Il délivre les captifs. Oui. Et les rend heureux. Très bien. Amen. Et si on montre un Dieu qui vous sauve la solitude, regardez, est-ce que chacun de vous est un parent? Hein? Mais la famille en Christ est une très grande famille. Nous avons des frères au Gabon, nous avons des frères dans tous les quartiers de Libourie, nous avons des frères à l'étranger. C'est une très grande famille. Donc vous êtes compagnons d'eux pour bénéficier des connexions de notre leader. Amen. C'est pas si compliqué. Amen. Si vous êtes là aujourd'hui, pour vous, c'est parce que je connais quelqu'un que vous connaissez. Amen. La vie
Le secret de la vie, ce sont les relations. Le secret de la vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'onction, ce sont les relations. Alors, quand vous êtes avec votre leader, les connexions de votre leader, automatiquement, vous en bénéficiez. Amen. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'être compagnon d'eux, c'est une joie. Parce que les connexions que l'humain aura, les portes sont ouvertes. Imaginez-vous bien qu'il va manger chez Zaché. Même si nous tous sommes sur Zaché, ce n'était pas n'importe qui mangeait à la table de Zaché. Zaché était comme un directeur d'impôt. C'était un monsieur, un grand monsieur. Les disciples ont vécu le bonheur à cause de Jésus. Quand vous entendez bien dire à Jésus que je te jure, même si Dieu ne veut pas, tu n'iras pas à la croix. Vous pensez que c'était quoi l'amour? Hein? C'était l'amour, là. Vous avez parlé de Jésus, bien que non, Pierre, un peu Jésus. Non, ce n'est pas l'amour. Pierre avait compris que sa vie était maintenant en haut. Il entrait dans les hauts lieux. On le respectait. C'était un agrammatos. Les agrammatos en grec, c'est des hommes sans instruction. Et dans la société romaine ou grecque, quand un homme n'a pas fait l'école, on ne me regarde pas. Mais les hommes qui n'avaient pas fait l'école étaient de l'avant des hommes importants. Ah, ils marchaient avec quelqu'un d'important. Ah, ils marchaient pas vraiment. Ils disaient, oh bien, ils t'ont dit, jouer les grands. Et puis Jésus dit à Matthieu, les gars, je ne sais pas. Pour ce jeune, je serai enterré. Mais quand Pierre voit ça, il dit quoi? Et dans le gars, il dit quoi? Qu'est-ce que je deviendrai? Repartirai-je à la pêche? Ouais. C'est pas, il n'a pas hésité. On me dit, mais Dieu va croire, mais c'est pas la pêche. Quand vous êtes collaborateur, ou quand vous êtes compagnon, vous avez la grâce. Parce que votre leader va vous ouvrir les portes. Il y a des portes que votre leader va vous ouvrir. Écoutez, ne faites jamais le mauvais cœur à votre leader. Parce que en lui faisant le mauvais cœur, vous fermez vos portes. Amen. Je vous explique une chose. Amen. Là, quand on parle de communiquer la grâce, ce n'est pas par les versets bibliques. Amen. La grâce se communique par la grâce se communique spirituellement. Amen. Ça veut dire que quand vous comportez bien avec quelqu'un, ce que la personne transporte, vous recevez ça. Amen. Mais si vous sabotez la personne, vous critiquez la personne, et vous dites là, pasteur, ça c'est mon père spirituel, vous n'aurez rien, vous n'aurez rien. Parce que c'est spirituellement que ça se passe. Amen. C'est spirituellement que ça se passe. Amen. Si vous recevez quelqu'un en qualité de prophète, me dit la Bible, la bénédiction que vous aurez, c'est la bénédiction du prophète. Parce que vous comprenez. La manière que vous traitez votre leader, vous traitez vos respects de la vision, vous allez recevoir une récompense. Si c'est en tant que leader, la grâce va descendre sur votre vie. Si c'est en tant que ami, parent, vous êtes du même village de Moabi, vous n'allez vous nourrir. C'est ce que tu partages. Nous sommes là à cause des connexions. Amen. Amen. Parce que j'ai la connexion, je vais être là. Ça, c'est mon frère. Ça s'appelle Paul Lapa. Je l'ai connu. On ne sait pas qu'on n'a pas grandi ensemble. Mais c'est une connexion qui a permis que je le rencontre. Lui et moi, on se connaît. C'est une connexion qui a permis qu'on se rencontre. Mais la richesse, donc, ce n'est pas l'argent. Arrêtez de croire que la richesse, c'est l'argent. Il y a des endroits où l'argent ne passe pas. Tu mets 100 millions, il y en a qui mettent 200 millions. Hein? Mais c'est la relation qui te sauve. Amen. Vous connaissez qui a introduit Saül dans la royauté? C'est un homme. Il avait l'offrande et le conseil. Amen. Il était en train de rechercher les ânes. Yes. Mais la perte des ânes était un prétexte. Mm. Dieu l'avait utilisé parce qu'il voulait remplir, il devait rencontrer Samuel. Mm. Mais écoute, le serviteur dit, on a perdu les ânes. Je connais un homme qui donne le conseil à Saül. Je connais un homme, c'est un homme de Dieu. Ah bon? Il dit, mais je ne peux pas le voir parce que je n'ai rien. Le serviteur dit, mais non, j'ai l'offrande. Quand ils partent comme ça là, c'est là que Saül découvre que donc il est destiné à la royauté. C'est un serviteur qui l'a introduit dans la royauté. Amen. La vie là, c'est des gens simples parfois qui vous introduisent dans la grandeur. Amen. Ne méprisez pas les relations, parce que les relations sont plus puissantes que l'argent. Avec une relation, tu peux aller très loin, mais ton argent ne t'amènera jamais. Ne soyez pas arrogant avec l'argent. Non, soyez humble, parce que les relations vous amèneront. Saül est devenu roi à cause de la relation. Un conseil et une offrande. C'est pas n'importe qui était roi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'après cet épisode, on a
Amen. On parle de la connaissance. La relation, c'est plus que l'argent. Amen. Donc, quand vous êtes dans le ministère, vous pouvez avoir votre pasteur. Chérissez-le. Même s'il est méchant, vous savez, pour la vie du soir. Ceux qui ont beaucoup tourné savent que les problèmes de les églises sont les mêmes. Amen. Je parle de l'église parce que là-bas, mais je ne le fais pas. Tu vas aller là-bas, on est mis sur la pied, on a serré ta pied dans la cour du Seigneur. Dès que tu rentres, tu te rends compte que aïe, 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 aïe. Même là-bas, c'est ton problème, ton combien. Les sommes sont les mêmes partout. Ça ne nous fatigue pas de voir les mêmes choses tous les jours à l'église. Hein? Les mêmes têtes de dimanche. On est comme une chef. Les mêmes gens, nous-mêmes, nous-mêmes, notre équipe troupeau. Quelle équipe troupeau? Quel peuple reste? Donc, j'ai envie de vous communiquer quelque chose ce soir. Après, il faut arrêter le fait qu'on est fidèles, moi, récemment, depuis 65, vous serez la servante de Dieu. Mais Dieu ne recompense pas le nombre d'années. Tu fais ça depuis 65 et un autre depuis 2 ans. Il a besoin de continuer à faire depuis 65. Il est temps d'arrêter d'en combler vos leaders dans votre présence. Il y a ce qu'on appelle la présence simple et il y a la présence omniprésente. Vous devez manifester la présence omniprésente. On doit sentir que vous êtes là. Amen. Si votre absence ne dérange pas les gens, c'est peut-être un problème. Ah non, moi je suis là, comme Dieu connaît, il connaît mes principes, c'est pour les choses comme ça. Amen. Ah, on dit il faut reconnaître sa place. Regarde donc. Jean 3, 22 à 24, ils sont ensemble. Je veux que vous compreniez ça, parce que je vais vous donner un mot. Jean 3, 22 mon lecture par la Bible. Tout le monde comprend. Jean 3, 22 à 24. C'est pourquoi, oui, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples. Jean 3, voilà. Jean 3. Jean, pardon. Jean, pas la résultat, c'est pour ça que je vais ressusciter. Après cela, 22 à 24. J'ai écouté la lecture. Après cela, que cela. Jésus accompagné ses disciples se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salem. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Ouais. On y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, Jésus se leva de la part des disciples de Jean. Alors qu'il se levait de la part des gens, une dispute avec un juif qui chante la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et que tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Ah, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça, non? Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel. Vous-même, vous êtes témoin que j'ai dit. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Ah. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Ah. Mais la vie de l'époux qui se tient là et qui entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Ah. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Est-ce qu'on peut donner la parole ici? De tous les hommes et d'une femme, Jean-Baptiste le plus grand, disait Jésus. Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et en Israël, il avait un respect pas possible. Il baptisait. Et il a baptisé Jésus. À un moment donné, Jésus est venu à un environnement, dans le même environnement que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptisait. Mais Jésus aussi baptisait. Ils étaient un peu l'autre à son dégât et puis l'autre à derrière la prison. Au départ, c'est Jean-Baptiste qui avait le vent en poupe. Tout le monde partait vers lui. Les disciples
Il dit, mais oh, mais toi tu es là, tu n'as plus le succès. Voilà l'autre qui t'a volé le succès là-bas. En fait, c'était ça. Il faut avoir le cœur pour savoir rester à sa place. Il faut avoir le cœur pour savoir que le temps de la gloire est passé, que Dieu l'a donné. Il faut avoir le cœur. Jean les reprend et dit, vous-même vous êtes témoin. Je vous avais dit que je ne suis pas le Messie. Oh. Vous savez, si vous ne connaissez pas vous, qui vous êtes, vous allez vous faire appeler Jésus alors que vous êtes Jean. Je ne suis pas le Messie. Je vous avais dit ça depuis. Ne commencez pas à créer les problèmes qui n'existent pas. Moi, je suis Jean-Baptiste. J'ai été envoyé pour préparer le chemin du Messie. Maintenant qu'il est venu, mais qu'il fasse ce qu'il a fait. Amen. Jean-Baptiste connaissait sa place. Il connaissait sa place. C'est pourquoi il n'est pas rentré dans une guerre de leadership. Il a compris que tout homme ne possède que ce qui vient du ciel. Vous comprenez ça? Même si je n'ai pas la tête de mon leader. Rappelez-vous que tout homme possède ce qui lui vient. Il nous dit que la célébrité de Jésus là, c'est pas moi. Il a reçu ça de Dieu. Il faut savoir reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de vos leaders. Ce ne sont pas vos ennemis. Vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un. Savoir être à sa place vous permet d'être un homme qui est fat. Jean a refusé. Il a dit, je suis l'ami de l'Église. Il a su à un moment donné de sa vie rester à sa place. Lorsque tout pouvait être mis en place, il s'exprime. Il y a un moment donné où l'onction pour sa vie, nous a mené envie de pécher. Quand tu dis comme ça, tu me dis, mais amen, nous avons la paix, l'homme de Dieu. Nous sommes tous parce que le pasteur a tort. Tout homme de paix à toi. Si vous improvisez, excusez-moi de vous le dire. Mais il y a trop de pasteurs qui ont été libérés. Quelqu'un, j'en ai même plus qu'il disait, il s'est coupé lui-même. Il s'est appelé lui-même. Et lui-même, il a le bon. Regardez même le ministère. L'orgueil est plein dedans. Il a une coupe de cheveux, il a des fesses, il marche dans le mur. Ah, qui vous a dit que les prophètes dans les là? Et vous allez quoi ici au nom de Jésus? Tu parles à qui tu as déjà mère. La Bible te parle à la mère comme une mère, au père comme un père. L'onction ne devait être pas impolie. Il y a des gens qui ont l'onction mais qui sont impolis avec quelqu'un qui majuscule. Être à sa place. Le problème de l'église, c'est que les gens ne sont pas à la place. À cause de l'onction. Tu penses que l'onction les amène à dépasser le leader. Tu ne seras jamais Jésus. Amen. Tu es Jean-Baptiste. Tu gagneras plus en étant à ta place de l'ami de l'Église. La première personne qui a refusé d'être à sa place. Autant Dieu l'avait tout donné. C'était Lucien Lefebvre. Quand il sait qu'il parle de lui, mais je me dis que si j'avais eu deux choses comme lui comme ça, il avait tout ce qu'il fallait avoir. La gloire, l'honneur, il avait tout. Il voyait la face de Dieu. Il demandait de louange. Faites attention, on ne sait pas sur le leadership. Je fais publication sur Facebook, j'ai dit, allez ouvrir les écoles de management si vous ne pouvez plus enseigner la Bible. Il y a une différence entre le leadership public et le leadership du monde. Il y a une chose qui est claire que vous devez savoir. Voici le principe du leadership du monde. Doit toujours s'élever. Tu dois être grand, tu dois régner, tu dois avoir l'onction, tu dois impact.
dois avoir des ministères. Tu dois... L'homme a toujours envie de monter. On enseigne dans l'église. Le développement personnel. Ce n'est pas l'évangile. C'est la science humaine. Ça, c'est le leadership du monde. Quand on est dans l'église, sur la tête de la queue. Premier et non dernier. Devant et non dernier. Dans l'église. Mais quand Jésus arrive, il bouleverse cette notion. Lui, il renverse la pyramide. La seule personne qui a eu l'intention de se lever, c'est le diable. Et il s'est perdu. Tous ceux qui vont le suivre, ils vont comprendre. Vous savez, quand il a venu sa révélation au ciel, ça ne va passer en un jour. Il n'a pas péché en un jour. Il a, Dieu lui a laissé le temps de faire sa campagne dans le ciel. C'est pas n'importe qui peut amener un tiers des hommes. C'est pas du puissant. Je dis, c'est pas n'importe qui peut amener un tiers des hommes. C'est pas du puissant. Mais Dieu le regardait. Écoutez, Dieu est omniscient. Quand Satan faisait ça, Dieu le regardait. Parce qu'il savait que on ne peut pas se lever, ça veut dépasser. En fait, il voyait la chute de sa couche. Il s'est levé. Tous ceux qui m'ont suivi, dans la vie, tous ceux qui m'ont suivi, sont tous. Il y a beaucoup de ministères, beaucoup de pasteurs qui travaillent avec le rêve qu'un jour ils seront dans l'église. Je veux te décourager aujourd'hui. Je te dis quand même ça, c'est pour le diable. Enlève ça. Si tu as dit que tu seras pasteur, tu ne seras jamais ministère. Ce n'est pas la peine d'avoir des ambitions, de rêver déjà ton ministère. Si c'est ça, je te décourage que c'est le diable qui ne sera pas cœur. Ils veulent s'élever. Ils disent, je me leverai au-dessus de ces toits. Il y a au moins sept jeux. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, malgré ce que tu as, malgré la position que tu as dans l'église, tu es diable, tu es chante, ça ne te suffit plus. Tu veux te lever. Le diable est un disciple de l'église. Oui, il y a le scandale. Il y a le scandale parce que les gens ont de mauvaises motivations. Il y a le scandale parce qu'ils sont dans la ministère pour se préparer à leur vie, leurs églises. Et on a les boutiques de d'avoir des églises. C'est pourquoi il y a les scandales. Mais quand Jésus vient, il va inverser le cycle. Satan, pour avoir la gloire, s'est élevé. Jésus, pour avoir la gloire, s'est abaissé. Il est descendu. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix. C'est pourquoi Dieu, pas je m'éleverai, mais Dieu l'a souverainement. Tu viens dans le ministère. Ta place, ce n'est pas l'élévation. Jésus, pour gagner les hommes, a inversé la foule. Il n'y a plus de serviteurs dans l'église. Le mot serviteur, c'est nous, l'os. Il n'y a plus de serviteurs. Il n'y a que le maître. Je dis à quelqu'un un jour que avant de me parler, il faut avoir fait mes classes. Je suis devant vous, j'ai une veste, j'ai une église. Ouais, le pasteur, on a une belle salle, oui. Mes amis, ouais, pas où je parle. Ceux qui me connaissent savent par où je suis. J'étais dans une église. J'ai la chiotte. Mon travail à l'église, quand les gens venaient, c'est moi qui nettoyais les toilettes. Verset l'eau. Je n'ai jamais eu l'intention d'être pasteur. C'est la dernière chose à laquelle j'ai pensé dans ma vie. J'avais les moyens d'être quelqu'un dans la vie. Je n'ai jamais pensé. Je n'ai pas calculé ça. J'ai servi. J'étais mon pasteur dans la nuit. Mais les délivrances, la nuit dans les quartiers, ils ne me disent pas. Je ne vais même pas partir. Tout le sang boulot, c'est moi qui me tapais ça. Je n'avais jamais eu l'intention d'être. Non! Mon pasteur faisait des erreurs. Mais jamais je n'avais dit que je suis resté fidèle. Ça a été difficile, mais c'était bien pour moi. Aujourd'hui, je suis là, pas parce que je suis meilleur, mais parce que Dieu m'a fait passer par un siège. J'ai appris à l'homme, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Vous ne voulez pas vous être obéissant. Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Mais nous devons souffrir un peu, on sort de l'église. Je n'ai plus la place ici. Chacun de nous a une place au corps de Christ. Pour plus qu'on la reconnaisse, c'est bon, soit on accepte. On ne choisit pas sa place. Dieu nous dit, c'est là où je te veux. Ne dis pas, moi je vais être là-bas. Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que tu veux pas la quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen.
Jésus. Il y avait quelque chose de particulier. Donc Jésus est venu dans son ministère. Il a eu 1, 2, 3, 4. Il a eu la fête avec 4 fils de Dieu. La Bible nous parle de la foule qui suivait Jésus. Jésus a fêté avec la foule. Il a enseigné aux foules. La Bible nous parle des 70. Il a envoyé 2 à 2. Vous connaissez l'histoire là. La Bible nous parle des 12. Et la Bible nous parle des 3. Pierre, Jean et Jacques. Est-ce à dire que Jésus n'aimait pas tout le monde? Non. Je voudrais souligner un fait très important qui brise les cœurs de beaucoup dans les églises. Comment sur 12 disciples, Jésus va être seulement avec 3 plus proches. Donc même Jésus, c'est la doctrine de la différence. L'un des problèmes que nous avons dans l'église, même en tant que collaborateur, c'est que nous ne nous sentons pas en place. Parce qu'il y a une place qu'on ne devrait avoir. Et dès lors qu'on ne l'a pas, on se sent automatiquement exclu. Mais parmi tout ce monde-là, il y a des gens qui ont influencé la vie de Jésus qui n'étaient même pas parmi les 3. Joseph d'Arimathée, qui le connaissait? Il est apparu pour demander le corps de Jésus. Mais pendant le ministère de Jésus, ça va donner le Joseph d'Arimathée. Mais peut-être que Dieu t'appelle à être Joseph d'Arimathée. Marie, qui a brisé le parfum d'Albâtre, elle a fait les miracles. Non, si moi j'étais dans le seul question du pasteur, je serais différent, c'est faux. Au niveau où tu es, tu dois impacter. Je veux dire qu'au niveau où tu es, tu dois impacter. C'est là où il n'a pas d'être à côté. Même de loin, tu peux impacter. Personne n'avait pensé un jour. La prophétie disait que Jésus devait avoir son tombeau parmi les riches. Maintenant, la prophétie planait. Il fallait quelqu'un pour que cette prophétie-là s'accomplisse. Le quelqu'un-là, c'est qui? Joseph d'Arimathée. Il est entré dans une histoire où la prophétie avait été libérée des siècles avant. Et il ne savait pas ce qu'il faisait. Écoutez, on n'a pas tout besoin d'être là avec le pasteur. Même là où tu es, en tant que chef, en tant que la sécurité, en tant que je ne sais pas de quoi, tu dois influencer. Amen. Le ministère doit être influencé par toi. Amen. N'attends pas être aux commandes. Moi, je ne crois pas en ce moment de ce pays. Un homme qui ne peut pas gérer sa vie. Il ne peut pas gérer le public. Il ne peut pas transformer ça à un restaurant. Vous comprenez ça? Oh non, nous, quand on sera aux affaires, cher ami pasteur, il n'est même pas pasteur. Il est secrétaire dans un ministère. Il dit à sa femme, on est en train de manger. Il dit, non, tu sais, chérie, quand nous, on va gérer ce pays, on est en train de manger. Elle dit, mais toi, tu sais, c'est le pays. Tu n'as même pas à gérer peut-être ta maison, ta famille. C'est pour ça que tu gères la maison là. Sur ton pays, tu peux gérer ça comme ça. Parfois, on attend que le pasteur nous rapproche de lui pour que les idées qu'on a, on donne ça. C'est pas bien, c'est la sorcellerie. Si tu es dans la foule, et sois lisse, tiens, je vais faire. Fais quelque chose pour le ministère. Fais quelque chose pour le. Les églises doivent être. Les églises doivent être. Oh. Amen. Amen. 1 Corinthiens. Être à sa place. Il faut que tu sois à ta place. 1 Corinthiens 12.
Parce que nous aboutissons. Nous aboutissons. Vous ne lirez pas ça, vous allez lire Romains 12, 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée. J'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Très bien, on va s'arrêter là-bas. Reste où, s'il te plaît. Premier conseil de Paul aux chrétiens de Rome, c'est quoi? Il ne faut jamais avoir une haute opinion de vous-même. Si c'est moi qui étais le pasteur, ça devrait se passer différemment. C'est un grave péché. C'est un conseil. On donne la chance de faire quelque chose, ça ne marche pas. En tout cas, si c'est un peu. Dans l'église, c'est très dangereux. C'est ça, avoir une haute opinion de soi. Montrer qu'en fait, on est différent, on peut faire mieux que les autres. Donc là, si moi je chantais, je chanterais mieux. Si je gérais le comité des chants, je devrais mieux gérer. Paul dit que c'est à proscrire. Dis à ton voisin, c'est à proscrire. Dis à ton voisin que c'est à proscrire. Pas de haute opinion. Il y a trop de je peux. Vous suivez. Mais de revêtir les sentiments modestes comme un vêtement. Selon la mesure de foi que Dieu a réparti en chacun. Nous n'avons pas tous la même mesure de foi. Vous comprenez ça? Ce que Dieu a mis dans cette dame-là, il n'a pas mis dans l'autre. Chacun a reçu plus. Chacun a reçu comment? Ça, c'est sa grâce. Ça, c'est pas pour moi. Poursuivez. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi nous qui sommes plusieurs. Nous formons un seul corps. En Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Ok, poursuivez. Verset 6. Oui. Puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, celui qui a le don de prophétie soit dans l'office de l'église de prophète. C'est ça. Je sais pas ce qui se passe. Tu as déjà un don dans mon don, je sens que ça brûle trop vite. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce. Où c'est? Poursuit. L'exerce en proportion de la foi. Ouais. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le face avec libéralité. Donc la libéralité est un don. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont tué le don dans l'église. Au début, ils sont venus, ils donnaient. Mais quand ils ont commencé à voir, quelqu'un ne donne pas ici. En tout cas, moi, je donne. Quoi, c'est moi qui donne l'église. C'est un don. Vous le savez, écoutez, tout le monde n'est pas papa. Tout le monde ne prêche pas l'évangile. Il y a des gens, écoutez, en tant que même pasteur, vous devez savoir ça. Tout le monde n'a pas le don d'être à l'estrade. Il y a des gens qui ont été appelés pour donner. Ça paraît bizarre, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui ont été suscités pour donner. Il y a des gens qui ont été suscités pour donner. Non, faut bien dire ça. C'est pas l'escroquerie. C'est ton appel avec Dieu. Tu penses que tu n'arrives pas à prier, mais les gens prient. Tu n'arrives pas à être trop spirituel. Mais toi, ta spiritualité, c'est dans le donner. C'est ta place. Si tu tombes, tu es chargé dans l'église. Tu vas commencer à te décourager. En toi aussi, tu donnes quoi? C'est ça. Et Dieu m'a appelé à donner. Excusez-moi de vous le dire. Vous pouvez faire tout le bruit que vous venez dans l'église. Prier, chasser les démons, brûler Satan, déshabiller-le. Tant que vous ne donnez pas votre argent, rien n'avance. Amen.